And we're off day three of the Intact Insurance 2014 short track team selection here in Montreal. And taking the lead is Marianne Saint-Gelais en tête devant Cassandra Bradette. Ça roule rapidement. Attention, belle lutte pour la deuxième et troisième place. Derrière Saint-Gelais, Courtney Schmier. Tout juste derrière Bradette, Schmier qui a terminé septième sur la première épreuve de 500 mètres. With two to go, Marianne Saint-Gelais, who finished third in the first racing of the 500 meters, leading the way in front of Bradette and Schmier. A good battle for the second positions and a spot in the top half of the draw. On est serré dans le virage et de l'intérieur. Belle bataille et manœuvre du côté de Schmier qui termine deuxième derrière la Québécoise Marianne Saint-Gelais. On demanderait aux gens qui sont dans les estrades de ne pas utiliser votre flash pour la prise de photos, soit durant la procédure de départ ou durant les courses. Donc, s'il vous plaît, fermez votre flash. Merci. Deuxième vague de qualification sur 500 mètres avec quatre Québécoises. Valérie Maltais de la ligne 1, Valérie Lambert de la ligne 2, Caroline Truchon de la ligne 3 et Namasté Harris Gauthier de la ligne 4. Lors de la première épreuve de 500 mètres, Maltais a terminé 4e, Lambert 8e, Truchon 9e et Harris Gauthier 15e. So four skaters from Quebec in this heat number 2. Valérie Maltais, Valérie Lambert, Caroline Truchon et Namasté Harris Gauthier. Le départ est donné pour cette deuxième vague et forte de sa victoire sur 1500 mètres samedi dernier. C'est Valérie Maltais qui prend la commande, elle qui a eu une excellente journée samedi, incluant sa victoire sur 1500 mètres, qui l'a bien positionné au classement cumulatif, devra terminer parmi les deux premières pour se qualifier dans le haut du tableau. Lutte à trois avec Lambert et Truchon. A good battle for the first two positions with the access of the top half of the draw between Maltais, Lambert and Truchon. The speed is picked up by Maltais, who won the 1500 meters, the second racing of that event on Saturday. Bon coup de cloche nous donnant le dernier tour. On encourage nos favorites. Maltais, Lambert, Truchon qui entre dans le virage. À l'arrivée, pour l'instant, pas de changement à the line. Maltais et Lambert in the first two positions. Troisième vague d'une série de quatre chez les dames sur la distance de 500 mètres. On aura en piste de la ligne 1, Jessica Gregg, de la ligne 2, Marie-Ève Drolet, de la ligne 3, Sabrina Bourgela et de la ligne 4, Vicky Labourdette. Au classement du premier 500 mètres, Gregg a terminé 5e, Drolet 2e, Bourgela 11e et Labourdette 14e. So four skaters, one from Alberta, Jessica Gregg on lane 1. And three from Quebec, Marie-Ève Drolet, Sabrina Bourgela and Vicky Labourdette. We'll have a restart in this heat number 3 in the first 500 meters. Jessica Gregg finished 5th, Marie-Ève Drolet 2nd, Sabrina Bourgela 11th, and Vicky Labourdette 14th. The first two skaters at the line qualify for the top half of the draw. Pour
l'instant, le départ est bon et c'est la spécialiste des 500 mètres, Jessica Greg, qui prend les devants, suivie de Marie-Ève Drolet, qui a été très constante depuis le début de cette sélection olympique, terminant parmi les trois premières à chacune des quatre premières épreuves. Et pour l'instant, bien alignée au deuxième rang, Sabrina Bourgelat, tout juste derrière elle. Et du côté de Vicky Labourdette, on doit se contenter du quatrième rang pendant que nos préposés à la piste doivent s'affairer de gauche et de droite. Two laps to go, a three-way battle in this heat number three between Greg Drolet. Watch out for Bourgelat, trying to pass on the inside, but too little too late for a skater from Montreal. À la dernière tour de piste, Greg qui maintient toujours sa première place devant Drolet Bourgelat, troisième. Pas de changement à l'arrivée, at the line, first place for Greg. Deuxième, Marie-Ève Drolet, les deux qui se qualifient pour le tableau principal. Heat 4, last heat in ladies 500 meters. Four skaters once again on track. Representing Quebec, Jessica Hewitt on lane 1 from lane 2. Gabrielle Waddell from Alberta. From Quebec, Kim Boutin, number 15, and from Ontario. And she will start on lane 4, Carrie Morrison. Au classement du premier 500 mètres, Jessica Hewitt l'a emporté et récoltant 1000 points au passage. Pourrait y aller d'un doublé en l'emportant ce soir. L'Albertaine Gabrielle Waddell a quant à elle terminé 6e. Kim Boutin a terminé 12e et Carrie Morrison 13e. Carrie Morrison qui a terminé deux fois 9e sur 1500 mètres depuis le début de ses sélections. Encore une fois, mesdames et messieurs, on vous demande de rester le plus silencieux que possible et de ne pas utiliser de flash de caméra lors de la procédure de départ. Merci. Cette fois, le départ semble bon. Une série au premier virage. Et c'est Gabrielle Waddell qui prend la commande devant Jessica Hewitt, les deux favorites dans cette vague. Elles qui ont terminé régulièrement parmi les 5 à 6 premières depuis le début de ces compétitions. En fait, Jessica Hewitt qui a été de toutes les finales et qui de l'intérieur prend la commande. Hewitt from the inside taking the lead in front of Gabrielle Waddell. The two trying to qualify for the top half of the draw. They consistently finished in the top 5 and 6 so far in the competition. Watch out for Carrie Morrison, now sitting in third. Final lap, dernier tour. Hewitt, Waddell, Morrison en bataille pour une place dans le tableau principal. On est à quelques mètres de l'arrivée. Jusqu'au bout, c'est Hewitt et Waddell qui viennent ravir les deux derniers laissés-passer pour le tableau principal. Coming up next, the heat number 1 in the men 500 meters. Première vague de qualification chez les messieurs, heat number 1 of the men 500 meters. We will have 3 skaters on track in this first heat. 3 patineurs en piste pour cette première vague de qualification. Les deux premiers qui accèdent au tableau principal. Course mettant aux prises celui qui a pour l'instant un pointage parfait lors de ses sélections Intact Assurance, Charles Hamelin, qui sera de la ligne 1. En ligne 2, on aura Alexandre Saint-Jean, 8e lors du premier 500 mètres. Et de la ligne 3, Samuel Bélanger-Marceau,
qui a été chercher une belle sixième place lors de la première épreuve de 500 mètres. Seulement deux laissés-passer disponibles la ronde suivante et on a trois patineurs parmi les huit premiers dans cette vague. Et c'est le départ. We're off in this heat number one. Charles Hamelin taking the lead in front of Alexandre Saint-Jean. Right behind him is Samuel Bélanger-Marceau, the three skaters representing the province of Quebec. Very fast pace given by Hamelin in this heat number one. Ça roule très rapidement pour Hamelin, Saint-Jean et Bélanger-Marceau. Seulement deux places disponibles pour le tableau principal. Encore un tour et demi à faire. Notre préposé qui prépare sa cloche pour donner le coup du dernier tour. Et voilà, final lap. Hamelin, Saint-Jean, Samuel Bélanger-Marceau. 1, 2 and 3. Only the top 2 qualify for the top half. Mission accomplished for Hamelin and Saint-Jean, who finishes in the first two positions. Temps non officiel, 40 secondes et 53 centièmes pour Charles Hamelin. Place maintenant la deuxième vague de qualification sur 500 mètres chez les messieurs. On retrouvera du Québec de la ligne 1, Olivier Jean, Patrick Duffy de la ligne 2, Vincent Cournoyer de la ligne 3 et William Prudhomme de l'Ontario sur la ligne 4. Sur la première épreuve de 500 mètres, Jean a terminé deuxième, Duffy 9e, Cournoyer 7e et Prudhomme 13e. We're off in heat number two with three skaters from Quebec, Olivier Jean, Patrick Duffy, Vincent Cournoyer from Ontario, William Prudhomme. Jean, our leader, finished second in the first racing of the event. Cournoyer second, very tight in the corner, and well done move by Vincent Cournoyer, who takes the second position out of Duffy. And back on the inside is Duffy, well executed move by the skater from Quebec, very fast pace. For the time being, given by Olivier Jean. Jean qui est littéralement en feu dans cette vague de qualification, pourchassé par Duffy et Cournoyer qui n'a pas dit son dernier mot. Deux laissés passer pour le tableau principal dans le dernier virage. In the final corner, à l'arrivée, victoire d'Olivier Jean qui prend sa place pour les huit premiers. Unofficial time, 41.41 for Olivier Jean. Temps de la vague précédente pour Olivier Jean, 41 secondes et 525 millièmes. Time for Olivier Jean in heat number 2, 41.525. Prochaine vague de 500 mètres, 4 Québécois en piste. Ligne 1, Charles Cournoyer. Ligne 2, Liam McFarlane. Ligne 3, Guillaume Bastier. Et ligne 4, Johan Gauthier. Lors du premier 500 mètres, Cournoyer a terminé 4e. McFarlane, 11e. Bastier, 5e. Et Johan Gauthier, 14e du côté de Bastille. Eh bien, ses meilleurs résultats jusqu'à maintenant ont été sur 1500 mètres, terminant 2e et 3e lors des deux premières épreuves disputées jusqu'à maintenant sur cette distance. So, four skaters from Quebec in this next heat. Charles Cournoyer on lane 1, Liam McFarlane lane 2, Guillaume Bastier lane 3 et Johan Gauthier lane 4. Le départ est donné. Quel départ du côté de Charles Cournoyer qui prend la tête devant Liam McFarlane. Bastier à la chasse au troisième rang et Johan Gauthier qui tente le tout pour le tout de la quatrième position. Very fast pace given by Charles Cournoyer. Right behind him is Liam McFarlane.
Fighting in third is Guillaume Bastier and Johan Gauthier from Quebec sitting in fourth. Two laps remaining. Still Cournoyer and McFarland in the first two positions. Pendant que Bastier tente le tout pour le tout afin de revenir sur les deux patineurs de tête. Final lap, dernier tour. Cournoyer, McFarland, Bastier, Gauthier dans l'ordre. Pas de changement d'arrivée. Cournoyer et McFarland qui viennent ravir leur laissez-passer pour le tableau principal. Unofficially, Cournoyer and McFarland qualified for the top half of the draw. We have the time of this heat number 3, 40.402 by Charles Cournoyer, 40.402 pour le vainqueur de la course, Charles Cournoyer. Quatrième et dernière vague de qualification sur 500 mètres. Encore une fois, quatre Québécois en piste. Vague très relevée avec la présence en ligne 1 de François-Louis Tremblay, ligne 2, François Hamelin, ligne 3, Rémi Beaulieu et ligne 4, Maxime Gauthier. Lors de la première épreuve de 500 mètres, Tremblay avait terminé 3e, Hamelin 10e, Beaulieu 12e, Gauthier 15e. Excellent départ de François-Louis Tremblay qui prend la première place devant François Hamelin. Rémi Beaulieu pour l'instant troisième à la chasse et Maxime Gauthier, un spécialiste du 1500 mètres qui pour l'instant est à la remorque en quatrième position. With three to go, pace is given by François-Louis Tremblay right in front of François Hamelin. A very tight pack, all four skaters still in contention. Beaulieu sitting in third. Gauthier in fourth. Ça va de plus en plus rapidement. Attention, de l'intérieur, on est très serré. Very tight between Beaulieu and Hamelin, while Gauthier is now sitting in second. On est dans le dernier tour. Tremblay fin seul en tête. Gauthier deuxième, Hamelin qui tente le tout pour le tout. Et à l'arrivée, victoire confirmée et place dans le tableau principal pour François-Louis Tremblay. Vous appelez Intact Assurance lorsque votre maison a été endommagée. Vous parlez en quelques secondes à un conseiller en indemnisation près de chez vous qui vous aide à reprendre le cours normal de votre vie. Parlez de nous à un courtier. Intact Assurance. Repartez du bon pied. When you call Intact Insurance after damage to your home, within seconds you'll be speaking to our local claim staff who will start getting you back on track. Ask your broker about Intact Insurance, the choice of most Canadians for their home and auto insurance. Intact Insurance. You're back.